tous et à toutes, c'est Crystal et on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série sur Far Cry 3, aventure et mystère. Allez, c'est parti, ça commence maintenant. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la sieste. Hey, gringo, que pasa? Non, juste avant, je lui ai mis une belle raclée. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit easter egg, un petit mystère. Et alors, je l'ai trouvé par hasard en nageant. Et regardez ce que c'est. Ça m'a bien fait rire, c'est un soldat qui est en train de... Il semblerait de vomir près de la... près des toilettes. Il a dû passer une fin de soirée un peu un peu arrosée. Mais regardez un peu, je l'ai trouvé. Il est en plein milieu de l'océan comme ça. Alors ça a été mis délibérément par les développeurs. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Si ça fait référence à une à un cinéma ou une série. Alors regardez où je me trouve. Toujours sur la première île. Sur la petite avancée ici en bas à droite. Vous avez l'avancée rapide ici avec l'atelier. Et c'est sur la plage au niveau des voitures. Vous mettez votre marqueur ici. Et il suffit après d'aller dans l'océan pour trouver ce petit easter egg. Regardez, vous êtes dans l'eau et vous voyez directement les toilettes. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin. Chose promise, chose due, aujourd'hui on va aller chasser de la murène. Je sais que beaucoup d'entre vous la cherchent délibérément dans ce monde ouvert qui est Far Cry 3. Allez, je vous montre où elle se trouve. On se situe à peu près au même endroit sur la carte que pour le easter egg. Regardez, alors on va mettre le marqueur dans la zone mitigée, c'est-à-dire entre le très profond et la zone littorale. Alors regardez, on va y aller en bateau. Vous pouvez y aller en jet ski, à la nage, comme vous voulez. Moi j'ai la chance qu'il y avait ce moyen de navigation à côté. Allez, j'avance la vidéo, on se retrouve sur le lieu. Nous voici, regardez, je vous remontre exactement où je suis, que je ne triche pas. Je suis bien à l'endroit indiqué, que je vous indiquais pardon tout à l'heure. Allez, on va y aller, on va aller la chercher cette murène. Et pour le prix d'une, je vous en montrerai trois, vous allez voir. Alors un conseil, ne cherchez pas au niveau du des bancs de sable. Allez où il y a de la végétation, des algues, des cailloux. Vous allez en trouver facilement ici. Et également y aller à cet endroit à peu près à la tombée de la nuit. Il n'y avait pas en pleine journée, ça m'étonnerait que vous en trouviez, elles apparaissent la nuit. Regardez-moi comme elle est magnifique. Un joli serpent. Allez hop, elle s'entoure autour de vous, elle est vraiment magnifique, elle a cette tête. Bien méchante. Hop, en mode saucisson, on lui a coupé la gorge. Alors on remonte parce que j'ai plus beaucoup d'air là. Donc je vais vous montrer d'autres murènes. Par contre, attention au requin, une chose qu'on ne peut pas faire, et c'est bien dommage, c'est qu'on ne peut pas récupérer la peau ou les organes de la murène. Allez, on va essayer d'en trouver une autre. Regardez là-bas, vous voyez qu'on ne peut pas les louper, elles apparaissent très clairement en forme de cercle. Allez, je m'approche, elle va encore m'attaquer, mais on va lui faire la fête. Allez hop, clac. C'est réglé, et cette fois je vais vous montrer un peu à quoi ressemble quand elle est morte. Je trouve qu'elle s'est un peu desséchée, on dirait un petit turban là. Oula, dans le caillou. Attends, on va la faire essayer de sortir avec la tête. Allez Jason, pousse. Oula, je me fais attaquer en même temps par les requins. Ils voulaient voir qu'ils vont pas me lâcher d'un coup. Regardez ça, elle est vraiment magnifique. C'est dommage qu'elle soit un peu, on dirait raisin sec là, tout fripé. Oh, attendez, lui commence à me... Oulala, commence à me à bien m'énerver. Donc vous avez vu, c'est... cet animal est quand même assez rare. Vous ne le trouvez pas partout et à tous les moments de la journée. Donc voilà, je vous ai indiqué une astuce pour la trouver. Regardez, je vous en montre une autre. Au même endroit, je suis toujours au même endroit. Elle attaque moi encore, toujours. Oh là là, elle est vraiment... J'adore moi ce genre de créature. Allez, on se retrouve un petit peu plus loin pour la suite de nos aventures. Je sais que vous adorez l'action, alors on va aller chercher un ennemi au couteau. J'ai récupéré une quête. Une quête secondaire pour les tuer, vous voyez. Je l'ai spoté avec mon appareil photo, l'ennemi qui apparaît avec un curseur jaune, c'est celui-là que je dois abattre au couteau et seulement au couteau. Alors on va y aller en mode discret, en mode furtif, avec l'arc et surtout avec mon grand couteau. Allez, on se déplace, j'espère qu'ils vont pas m'opérer. Ouais, ça passe. En mode accroupi, tac tac tac. Regardez ça, ils m'ont pas vu. Attendez, je crois qu'il y en a d'autres, ouais. Oh, il y en a... C'est deux points, ils sont pas mal, il y en a 5. 6 avec, et je pense qu'il y en a un autre. C'est complètement fou, allez c'est parti, on y va en mode discret. On va essayer de pas se faire opérer. Et essayer de la battre comme il faut. Est-ce que là je peux monter sans lancer de cailloux? Ouais, ça passe. Ouh, le sniper que je dois battre, je vais aller y chercher. Ouh, attention. Vous voyez, il y a un gros là, un gros bien dur. Il faut lui mettre un coup de couteau spécial. Il faut l'avoir débloqué dans les compétences, sinon vous ne pouvez pas l'abattre au couteau. Donc je l'ai spoté. Attendez, comment je vais faire? Ouh là, il vient vers moi. Ouh, ça va être plus compliqué que
Oula, je suis pris en... Ils sont en train de me tendre un piège. Non, c'est bon. Allez, on va l'abattre au couteau, lui. C'est pas se faire opérer. Ninja! Ouh! Et lui, on y va direct. Yeah! Ma mission est réussie. On va quand même éliminer les autres sans se faire opérer. Il se demande ce qui se passe. Attendez. Il monte. Wow! Arrête sa tête. Allez, toi, c'est réglé. Lui, on va y aller par-dessus au couteau. Yeah! En mode brochette. Ouh, il y en a encore un là. Toi, c'est pareil. Dans la gorge. Ouh, t'as rien compris. Et attendez, il y en a un là. Là, c'est un costaud. Alors, s'il passe par là, je vais l'atteindre. Non. Ouh, le héros descend. On va essayer de l'avoir par en l'air. Oh, le fail! Oh, le fail! Heureusement qu'il est un peu mou du cerveau. Et voilà, j'ai réussi. J'ai débloqué même un point de compétence. C'est nickel. Allez, on se retrouve en jet ski, les amis. À fond la gomme sur le fleuve. Je voulais vous montrer ce passage car le saut est juste spectaculaire. J'arrive à dépasser le pont. Vous allez voir ça. C'est épique. Allez hop, on le prend. Regardez, on voit rien. Le monde se termine juste après ce saut. Je passe par là. Regardez-moi la hauteur. Wow! Yeah! Ça passe tranquille. Par contre, là, je ne peux plus sauter. Regardez-moi ce saut. Là, ça paraît pas énorme, mais je vous promets, si vous le faites, c'est... Joli plantage. Allez, on va faire un petit saut ici. Je vais lancer un petit défi. On va sauter sans regarder où on tombe. Allez, on prend notre élan. On va y aller, on va y aller. Allez, c'est parti. Let's go. On regarde pas où on tombe, les amis. Yeah. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner. Et dans le prochain épisode, on repart dans la recherche de reliques.